oui. Mais il y a une liste qui a 50 personnes qui ont tué. Dans la liste, il y a un Jovenel, il y a Claude Joseph, il y a Léon Charles. Et il y a Gary Boudot. Pour le tuer. Donc, allez, regardez, monsieur, pas une jouette. Ok? Mais ce n'est pas. Donc, il y a des noms confirmés, vous comprenez? Mais heureusement, bon, il y a des autres noms, je ne connais pas citer, parce que là, ça, je ne vais pas faire tort à personne. Donc, moi, quoi, nous connaissons deux. Donc, je dis tout le temps, bah, ça, et ça capable de demander tout pour nous déplacer. Ouais, je connais parce que c'est une enquête que nous avons menée. Donc, nous avons suivi ça qui passe. Et il faut que moi dis nous, qu'on a un problème entre Ariel avec le Palais National. Il y a révoqué dans le Palais National. Il y a deux ministres qui sont capables en difficulté. Et Ariel capable de prendre des décisions prochainement qui peuvent montrer la République ça qui peut le passer. Et déjà, c'est le grand combat. Et dernière information que ma banne va aller vraiment, quand on a un monde qui est dans l'islam, je suis obligé de dire tellement nous sommes menacés, nous sommes tout le temps, nous allons me chercher qu'on est. Nous avons obligé ça à 5 policiers, va vrai? Et puis il a dit, ah, moi j'ai ça les nègres Jovenel. Les nègres Jovenel liés, après je vais le film, oui. Premier nègre à sa haute pour tuer, c'est Maurice Jean-Charles. Et comme il y a une information, service secret par information, il y a obligé de Maurice Jean-Charles, agent sécurité, ça a été avec. Parce que vous avez pour tuer Maurice Jean-Charles le même jour. Alphonse-Titan, Bounty-Cob, Alphonse-Titan, Bounty-Cob. Business. Chaque soir, supposé gagner entre 15 et 20 USP. Joue ça, tu as 11 qui étaient présents. Tu as 8 agents, 4 qui étaient de là, tu as 6. Tu as 10 USP qui étaient de là, tu as 7. Tu as 24 personnes seulement qui te cas président. Et attaque a fait à environ 26-28 mois. Maintenant, qui te m'explique? D'avance, oh, ouais. Négocier un énergie. Pas oublier, Négio gagne un commando. Monsieur n'a fait commentaire. Depuis de faire ça, depuis de faire commentaire, m'a perdu fil. Pas oublier, Négio gagne, il a passé 2 heures sans que vous pas attaqué. Super bien. Là, une information mourir. Eh bien, je viens de mourir, non? Information pour Valo mourir, Marco, Campano, Alter, nous mourir. Ok? Vous passez 2 heures sans que vous ne attaquiez les gens. Dans tête commando un colonel. Il y a certains qui décident de bataille, il y a l'autre qui dit qu'il n'y a pas de bataille. Et il y a l'autre groupe qui a l'ambassade de Taïwan. Oui, il se sépare. Il y a dit informant de DEA, il y a dit qu'il a travaillé pour FBI. Vincent pour DEA et Solage pour FBI. Et CNN, il y a un homme, a posé question à un responsable FBI. Ils n'ont pas voulu avoir l'information. Ils ont posé des questions et des dit
que vous-même, vous avez des rapports avec une nègre qui est dans la gauche. Monsieur, attendez bien, ça me dit. Selon information que les médias étrangers baillent, vous avez une nègre relé département d'État. Une nègre prend le département d'État. Et ici, pendant les négos souterrains à Pétionville, ils ont relayé, ils ont dit que okay, négo pas tuer négo parce que négo veut négocier. Tu me surprends pas. Ils ont dit, tu me surprends, sous place, sous pendant les négos là, ils ont un rapport avec Gautet aux États-Unis. On comprend qu'ils ont travaillé peut-être pour les Américains, qui dit que mais pas tirer, pas tuer parce qu'ils veulent négocier. Yo di yo, yo apren tèt yo. Nèg yo di apren tèt yo. Gen yon nèg yo karete, li bay nou tout leader politik ke yo te koni renkontre isit avan atak la. Semble konvèn ton te kon kontra lui-même avec plusieurs grosses structures de sécurité qui lient tout à Knegio. Colombien, ça, c'est des nègres qui prennent des formations dans un gros pays pour batailler contre les gens qui ont des drogues, etc. Ce n'est pas des nègres petits qui viennent là. Et ils reconnaissent que Knegio, c'est des nègres solides et terribles que oui. Et il y a eu l'aide pour information tout, dans le cadre d'une coopération que tu as entre États-Unis et Colombie. C'est ce que vous dites dans le journal. Vous entendez ça, monsieur. Président colombien dit, il y a 8 nègres qui te connaissent dans le nègre Sao qui va assassiner le président. OK. Propriétaire CTUA, Antonio Entriago, monsieur basé aux États-Unis, jusqu'à présent, nous n'avons pas arrêté, mais nous avons compris ce qui a passé. Une institution qui bat un cob, 865 000 $ US, World Capital. L'agence a été basée à CTU, comme une forme de financement. Ticket avion, per diem, ok. Yo te bay neg yo pour yonte. Mais ça sont comme petit. Antonio Entriago. Gen de lien avec président actuel en Colombie. Hein? Ivan Duque. Diet privé que neg yo utilise pour revenir en Haïti. C'est diet privé ou ne que le Gonzalo Castillo. C'est un ancien candidat à la présidence de la République dominicaine. Monsieur sont racistes que monsieur. Et qu'on parti dans le mercenaire passé sous frontière. Et passé sous route, entré sous frontière. Président Claude Joseph fait appel à FBI pour venir résoudre le problème. Mais la question, c'est qui a financé cette opération? Est-ce que ce n'est pas parce que mon trop information qui fait bah, ça va, c'est bon, pas connaît. Parce que ce n'est pas que le qui compte ça, m'a dit là. Donc, ça qui passe aux États-Unis, on hein, vient sur lui, il n'y a pas de dernière fois, il n'y a pas l'autre là, bon, il prend. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bague arrivée, n'importe qui le. Là, ça, on dit, m'a dit ça. Moi, j'ai peur pour ça. C'est le journaliste, il faut me bailler information. Même seulement qui a une information, je vais me bailler. Je me dis, bah, qui passe ça. Il y a toujours un journaliste. Et ça fait même pas besoin de parler. Tout le monde sur le réseau a bien information. Pour qui ça n'a pas dit Miami Herald, Terrele, un homme politique, ici, lui poser la question pour demander est-ce que le gars a un rapport avec ça, non? Tout le monde peut
pour yon dire moun ça. Apten pour yon moment moun dil. Ayoul. Moun ça te rencontre avec ça, non? Et puis lui répond bien amiral, oui, nous rencontre avec lui. Bah, M. Tabdiyo, comme moi, son moun fou m'a t'occupé. Mon leader politique, oui. Ok. Donc, c'est l'acte 1.